Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'analyse sur la pré-saison 2023 de Riot Games qui a été donc sortie. Donc c'est un article qui est sorti littéralement là il y a une heure en anglais. Est-ce que je peux retrouver la version française en même temps? Peut-être que ce serait plus intéressant du coup. Je vais regarder s'il y a la version française. Hop, ouais c'est ça, aperçu la pré-saison 2023. C'est un peu plus facile parce que sinon c'est un peu chiant. Tac, voilà. Comme ça on va pouvoir le lire et pas avoir besoin de traduire, ça va prendre un peu moins de temps. Donc, la pré-saison 2023, on sait que Riot, c'est un peu le moment de se réveiller un peu parce que c'est vrai que c'est un changement. Les changements qu'il y a eu pendant la pré-saison de l'année dernière ont été assez faibles. On a eu basiquement quelques items, on a eu deux nouveaux drakes dont un qui a été supprimé, et c'est tout, basiquement. Donc, ça a été un peu faible, même avec le patch de durabilité qu'il y a eu pendant la mi-saison, qui a été un truc qui a un peu permis de ressortir, enfin de changer un bon coup le jeu quand même. C'est un truc qui est arrivé assez tardivement et qui en plus a dû être équilibré pendant toute l'année derrière. Là du coup Riot se dit bon pour la pré-saison 2023 il faut qu'on marque un grand coup, il faut qu'on fasse des trucs. Et je pense que les joueurs aussi s'attendent à avoir pas mal de changements pour essayer de raviver un peu la flamme de la passion du jeu quoi on va dire. Et je pense que c'est la bonne chose à faire. Donc les changements de la pré-saison 2023 commenceront à arriver sur le PBE demain. Ok, très intéressant, on pourra les tester très rapidement. Avant qu'ils ne soient déployés, nous voulons nous présenter les changements pour que vous puissiez les découvrir lors des semaine à venir. Nous les déployons un peu en avant cette année pour prendre le temps de tester les changements et de recueillir vos impressions. N'hésitez pas à jouer car il y a beaucoup de choses à essayer. Okay. Note d'organisation. Lorsque vous les verrez pour la première fois, ces choses seront encore en développement. Attendez-vous des changements tels que des icônes, noms d'effets, d'objets, effets visuels sonores, valeurs de stats et autres. Alors que nous poursuivons nos tests dans le PBE, sauf chamboulement massif, cette page de présentation ne sera pas mise à jour après sa publication. Lorsque les notes de patch sortiront, ils contiendront tous les détails finalisés comme d'habitude. Ok, donc ça va être intéressant de pouvoir réagir un petit peu à ça. On va réagir au concept et pas forcément aux chiffres. Donc on va essayer de voir un peu, je vais donner mon impression bien évidemment sur les chiffres à l'heure actuelle, mais ça va être intéressant de voir aussi uniquement d'un point de vue thématique et au niveau d'un point de vue conceptuel quelles sont les possibilités offertes par cette pré-saison. Donc déjà, retour du dragon technochimique. Donc le dragon technochimique, comme vous le voyez sur cette image à droite, ce magnifique dragon vert avec des petits tuyaux de fou dangereux sur son cou, c'est le dragon qui a été supprimé l'année dernière. Donc c'était un dragon qui, je le rappelle du coup, te donnait, c'était quoi exactement, ça donnait des dégâts en fonction des PV max de l'adversaire lorsque tu le tuais, et lorsque tu obtenais l'âme, tu avais une deuxième vie, basiquement. Tu avais un passif de Sion, c'est-à-dire que lorsque tu mourais, tu respawnais très rapidement avec du coup toutes tes sorties au jour, tu pouvais toujours mettre ton DPS, mais c'est juste que ta vie descendait extrêmement rapidement, et au bout d'un moment tu recrevais une deuxième fois, mais tu avais le temps du coup de tuer des gens, de mettre ton DPS, même si tu t'es fait full CC. Donc c'était une âme qui était beaucoup trop forte, et en plus la map technochimique faisait que ça créait des énormes nuages de fumée qui donnaient de l'invisibilité aux gens qui rentraient dedans, et du coup ça supprimait les buissons, ce qui fait que la vision devenait vachement plus difficile à contrôler dans ces maps là, et ça faisait un snowball beaucoup trop énorme pour l'équipe qui était devant. Donc maintenant du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le dragon technochimique revient pour cette pré-saison avec un nouveau bonus et une nouvelle âme. Donc lorsque vous le tuez, le dragon technochimique confère à présent une petite quantité de ténacité et de puissance de soins bouclier. Ok, ça c'est intéressant. Alors, ça fait beaucoup de choses déjà quand même, parce que à la limite s'il n'y avait qu'un seul des deux, ça pourrait être intéressant. Mais là, comme il y a les deux, ça fait un peu bizarre parce que d'habitude on n'a pas... On n'a pas les deux en même temps, c'est ça que je trouve bizarre. Alors je suppose que c'est pour pas forcément donner de préférence à un des deux types de supports. Parce que si t'as par exemple un bonus de ténacité pour un enchanteur, tu t'en fous, et un bonus de puissance soin bouclier pour un engage support, tu t'en fous aussi. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ça te donne quand même pas mal de stats différentes, donc t'es obligé d'un peu de l'équilibrer, donc t'auras potentiellement pas des chiffres énormes à cause de ça. L'âme du dragon technochimique conférera des dégâts supplémentaires lorsque vous passez sous un certain seuil de PV. Ok, donc ce sera basiquement une sorte de last stand, qui est donc une rune de précision, une rune de, voilà, de la dernière branche de précision, qui te donne donc des dégâts supplémentaires lorsque tu es sous un certain seuil d'HP. Donc le genre d'âme qui est quand même utile, même dans pas mal de situations, dans la majorité des situations en réalité, puisque ça te permet de potentiellement empêcher un teamfight. Enfin, pas empêcher un teamfight, non, potentiellement retourner un teamfight, c'est ça. Ce qui est cool, c'est une âme qui sera potentiellement assez puissante et qui comment dire, et a quand même quelques counters, notamment les champions qui disposent de gros dégâts d'exécute. Donc ok. En plus du dragon technochimique, la faille adoptera une nouvelle apparence technochimique avec des produits chimiques zoniens et des plantes de la jungle mutantes aux effets améliorés. Les pommes de pin explosives repousseront les personnages à portée deux fois plus loin qu'auparavant. Ok.
Les fruits revigorants deviendront des fruits stimulants qui ne ralentiront plus les champions qui les mangeront et leur conféreront un petit bouclier supplémentaire en plus des soins habituels. Et la fleur de vision devient une fleur de tracker lorsque vous la frappez. Ces plantes révèlent maintenant une zone plus petite autour de la plante et un cône dans la direction opposée. Confère de la vitesse de placement vers les champions ennemis révélés et réduit les balises révélées à 1 HP. Ok. Ça fait beaucoup de choses. Ok. Donc, si j'ai bien compris, alors je vais voir si. Normalement, ça devrait marcher, mais. Si j'ai bien compris, on a cette petite plante de merde. On a le champion ici. Il va péter la plante. Donc, ça va toujours faire, je pense, le cône. Voilà, de vision qui va révéler les wards et les champions. Mais ça va aussi faire une zone autour de la plante et dans un cône derrière elle. Bon, un petit cône, pas comme celui-là. Ça serait un peu genre... plus un truc genre comme ça, quoi. Et du coup, ce truc-là va améliorer les champions derrière et sur le champion qui a tapé. Et ça va donner la vitesse de placement vers les monsieur. Vers les champions qui sont... monsieur, madame, qui sont révélés par... La plante de vision, et ça va aussi remettre les... Au lieu que les wards soient à 3 HP, elles seront uniquement à 1 HP. Ok. Donc, à la limite, c'est ok. Je trouve ça plutôt intéressant. Ça, des plantes qui font beaucoup de choses, mais au moins, c'est intéressant parce que c'est des trucs qui sont rigolos avec lesquels jouer, quoi, basiquement. C'est un truc qui est intéressant dans le sens où ça ouvre des possibilités. Déjà, là, vous êtes en train de regarder des trucs, vous êtes en mode, ah, il y a peut-être des possibilités intéressantes qui peuvent se faire, notamment avec les pommes de pain explosives. Bon, les fruits revigorants, c'est un peu lame, mais ça devrait aller, à la limite. Au moins, ça ralentit plus les champions, donc comment dire, ça augmente la quality of life, on va dire. T'as plus l'impression d'être puni quand tu les manges. Et pour ce qui est de la force de vision, par contre, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de trucs. Donc, c'est peut-être le truc qui devrait être équilibré, parce que ça fait pas mal de trucs différents. Parce que ça révèle les gens, ça te donne la vitesse de déplacement, et ça réduit les PV des balises. Fait beaucoup de trucs en même temps, on va voir. Même si c'est vrai que ce sera de toute façon dans un moment de la game où assez avancé, ça reste quand même assez fort. Donc ok. Donc en résumé, bon, j'ai peur du passif du Drake technochimique. L'âme me semble ok. Il y a potentiellement des interactions avec des champions comme Olaf qui sont assez intéressantes à souligner. Notamment pas mal de champions avec Gondrinker. Ah non, mais c'est vrai que Gondrinker, on n'a plus le passif justement. On n'a plus ce passif là, il a été supprimé. Tu fais des dégâts supplémentaires en fonction des PV manquants, mais en tout cas il va y avoir des interactions bizarres avec certains champions. Faudra faire gaffe avec ce genre de trucs, mais en même temps on sait que on se doute bien qu'il y a des compositions qui profiteront plus de ce genre de buff que d'autres. Donc ça garde quand même cette certaine polarisation légère des âmes qui font que des compositions pourront mieux utiliser certaines âmes que d'autres, ce qui est ok, on va dire. Voilà, et pour ce qui est des maps, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des trucs qui augmentent les éléments déjà existants plutôt que de supprimer des buissons et de juste... et de donner de l'invisibilité, qui était un truc qui était vachement toxique et qui poussait énormément au snowball. Ça pousse pas trop au snowball parce que même les gens qui sont derrière peuvent l'utiliser, même s'ils utilisent forcément moins de plantes parce qu'ils auront pas forcément le moyen d'avancer suffisamment loin dans la game, enfin dans la lane. Faudra voir au niveau des pommes de pain explosives parce que ça pourrait agir comme des meilleurs portails de Hextech. Donc il faudra voir un peu à ce niveau-là. Mais sinon, ouais, c'est assez intéressant. Amélioration de la jungle, du coup. Alors ça, c'est vrai que c'est le truc dont on a vu pas mal de rumeurs il y a quelques mois. Ça, c'est le truc... Bon, j'ai pas forcément voulu réagir tout de suite parce que je voulais voir un peu comment ça se détaillait, parce que au vu des informations qu'on avait eues, c'était pas un truc... c'est pas très détaillé, quoi. On a dit, oui, on aura des petits animaux dans la jungle. J'étais en mode, bon, bah génial. Genre, génial, vraiment ma vie est incroyable, j'aurais une petite merde qui me suit. Vous savez qu'en Aram c'est pareil, hein, les petites légendes elles me suivent aussi. La question c'est qu'est-ce qu'elles font au niveau gameplay. Donc, châtiment, avatar et animaux de la jungle. La jungle est un endroit dangereux où il ne faut pas s'aventurer seul. Alors emmenez un de ces animaux. Je sais pas comment le prononcer, c'est pour ça que j'ai... Fuck, je sais pas comment le prononcer, c'est pour ça que j'ai mis une pause, mais bref. Alors emmenez un de ces animaux avec vous en les achetant dans la boutique de jeu sous forme d'œufs. Ok. Ces animaux obtiendront des friandises et évolueront lentement au fil de la partie, notamment grâce aux monstres que vous tuerez. Une fois évolués, les familiers donneront à l'avatar de leur propriétaire des bonus qui octroient différentes capacités. Donc, on aura par exemple donc le chardin noxien. Donc les putes tags, c'est certainement des noms qui sont sujets à changement, je suppose. Donc, ce sera le familier idéal pour les junglers qui veulent jouer plus agressivement et qui vont faire des ralentissements et des dégâts bonus. J'ai du mal à savoir qui est noxien parmi eux. Je suppose que c'est le rouge là, parce que noxien c'est très... Ou peut-être qu'au contraire, ça c'est les bonus.
lié au... Parce qu'apparemment, de ce que je vois, ils ont des friandises. Je sais pas s'il y a une amélioration en fonction de l'œuf que t'as choisi, ou une amélioration en fonction de l'œuf et des mobs que t'as tués. Donc il faudra voir à peu près à ce niveau-là. Ça pourrait être intéressant de voir s'il y a genre deux perspectives d'amélioration. Genre un tableau à deux entrées, en gros, entre genre... d'un côté, tu auras genre les différents... Les différents mobs, quoi. Donc on aura lui, on aura lui, on aura lui. Et par exemple, derrière, on t'aura des améliorations, des espèces de friandises différentes en fonction de, genre, est-ce que... combien de mobs t'as tué? Genre, si t'as tué... Enfin, combien de mobs t'as tué, mais surtout, quel mob t'as tué? Genre, si t'as tué les grompes... je vais pas essayer de dessiner des grompes très rapidement, mais bref. Si t'as tué des grompes, t'auras une friandise différente. Si t'as tué des loups, t'auras des friandises différentes. Ça dépend. Et potentiellement, cette perspective-là, je pense que ça, à l'heure actuelle, je pense que c'est plus fait pour être juste un choix comme les choix de Smite actuellement, qui sont que, basiquement, tu fais des trucs, tu farmes, et derrière, ton truc, il évolue, mais c'est pas en fonction de ce que tu fais. C'est juste, il évolue en fonction de la progression de la game, on va dire. En fonction d'un paramètre qui évolue naturellement avec la progression de la game, notamment du coup... et quand c'était les smites, c'était combien de fois tu smites dans la partie de 5 smites par exemple. C'était un paramètre qui était foutu juste là pour pouvoir permettre de ne pas l'avoir très très vite. Et pour le coup, au contraire, de quand même te donner un peu de capacité de contrôle sur quand est-ce que ça arrive et pas genre avoir un smite à 900 HP dès le début de la game, quoi. Là, je pense que ça va être à peu près pareil. Même s'il faudrait voir si ça montrera pas le snowball avec des petits bonus de petits monsieur, de Pokémon, basiquement, qui augmenteront plus rapidement quand tu snowball. Et donc, ça, j'espère que ça va pas forcément augmenter le snowball de la jungle à cause de ça. Indicateur de portée des camps pour rendre la jungle plus accueillante envers les joueurs. Wow. J'étais en mode envers la jungler, mais j'ai bugué. Pour rendre la jungle plus accueillante envers les joueurs qui ne connaissent pas ce rôle, nous allons ajouter des effets visuels pour matérialiser les distances maximales auxquelles on peut attirer les camps avant que leur patience ne s'épuise. Nous allons également réduire la distance à laquelle on peut attirer les camps. Il sera désormais impossible de se tenir sur ce pixel parfait qui permet de super optimiser les nettoyages de la jungle. Alors, je suis d'accord sur le fait que réduire ses capacités d'optimisation de camp de jungle réduisent le plafond de skill et le plafond de puissance de la jungle, et donc ça réduit l'expression de skill de cette dernière. Je suis pas sûr qu'on aurait dû aller aussi loin à ce niveau-là. Je pense que donner un peu l'indicateur du leash dans les camps de jungle est, je pense, assez intéressant de toute façon. C'est pas du tout... ouais, ça, y a pas du tout de photo. Ça, je me disais, y a pas du tout de rapport entre cette photo et ce qu'on montre, mais ouais. Je pense que c'est intéressant, de toute façon, de mettre la portée de leash en général, parce que je trouve que ça peut aider potentiellement les gens qui sont en train de commencer la jungle à pouvoir se familiariser un peu avec les trucs. Je pense que c'est souvent une limite qui est assez arbitraire, ce qui rend, selon moi, le truc un peu compliqué à comprendre au niveau des joueurs. Et c'est vrai que l'exploit à base de pixels parfaits, c'est vrai que c'est potentiellement un truc qui est un peu chiant à utiliser. C'est un peu comme les wards. Vous voyez les wards, par exemple, pixel perfect que vous pouvez foutre dans les bush, par exemple. C'est vrai que c'est le genre de cas où tu te dis peut-être que c'est peut-être qu'on va peut-être un peu trop loin. Genre, avoir des wards qui sont durs à placer, par exemple, c'est intéressant d'un point de vue gameplay, parce que tu peux avoir des wards qui sont genre des endroits où tu mets les wards à un certain moment pour pouvoir les avant, enfin comment dire, pouvoir les foutre dans des bushs d'endroits de plus en plus loin, on va dire. Genre, les deux exemples les plus vus, on va dire, c'est genre un mec ici qui pose une ward là, en mettant le curseur genre là, à peu près. Et un mec qui pose une ward ici, en étant là, en mettant ton curseur à peu près là, quoi, par exemple. Donc ça, c'est genre, par exemple, deux emplacements de ward qui sont genre très chiants à mettre. Le problème, c'est lorsque ça devient du pixel perfect, quoi. Lorsque ça devient des repères très spécifiques qu'il faut que tu arrives à foutre, ça devient chiant, parce que c'est le genre de truc que tu peux pas... comment dire, si ça commence à devenir un peu abusé, tu commences à te dire, il y a qu'un pourcentage de personnes qui ont déjà ne serait-ce que la dédication, j'en viens, qui se dédient suffisamment au jeu pour pouvoir apprendre ces timings-là. Si en plus,
tu poses des repères bizarres à base d'emplacement, tout ça, ce qui fait que même si tu connais le truc, ça reste quand même très très chiant à utiliser. Tout ça pour poser des wards, c'est quand même un peu beaucoup, on va dire. Là, c'est pareil pour les liches de jungle. Ça commence à être un peu gros. Alors, je pense que réduire en gros la distance à laquelle on peut attirer les camps, tout ça, et empêcher des possibilités de clear de jungle, c'est un peu chiant, selon moi, parce que ça permet de rendre certains champions vachement plus viables grâce à ça. Et ça leur permet du coup d'avoir une plus grande... Comment ils appellent ça ? Un plus grand nombre de junglers viables, on va dire. Parce que ça permet des junglers qui n'ont pas forcément les capacités de clear d'autres junglers, ou en tout cas d'autres capacités de gank par exemple, ou de clear d'objectifs, de gagner un peu de valeur grâce à leur clear plus rapide en utilisant ces techniques spéciales. Ce qui font que ça les rend plus méta, basiquement. Ça leur donne un avantage par rapport à d'autres junglers, mais ça sans les rendre OP, tu vois. Ils ont leur force et leur faiblesse, quoi. Le fait de réduire un peu la taille des liches, ça me fait un peu peur. J'arrive encore à cliquer sur ce genre de truc, mais bref. Par contre, les effets visuels pour matérialiser les distances maximales, ça me pose pas trop de problèmes, honnêtement. Je sais qu'on le fait pas sur les tours, et que c'est vrai que du coup, ce serait un peu bizarre de le faire sur les camps de la jungle. Mais d'un autre côté, tu te dis, bon, les tours, tu peux matérialiser un peu une zone et tout. Les camps, c'est un peu plus compliqué parce que ça prend aussi en compte les murs et tout le bordel, donc c'est un peu chiant. C'est un peu chiant en général, surtout que, comment dire, les passes ultimes, c'est-à-dire les passes vraiment optimaux, on va dire, de la jungle, sont vachement plus dépendants de la distance de leash des camps que, par exemple, on va dire, les trades sur la lane sont dépendants de la capacité que tu as à détecter la range de gros de la tour, on va dire. Ça, c'est genre... Généralement, c'est intéressant dans certains trades très précis, mais pas intéressant dans toutes les games, contrairement à, je pense, les distances de leash des mobs qui, genre, vu que tu fais un clear de jungle littéralement toutes les games, dans toutes les games, tu vas être là en essayant d'optimiser ta vitesse de camp, donc c'est des trucs qui apparaissent plus souvent dans la partie, et donc, c'est, je pense, normal de donner un peu d'aide aux gens, notamment les gens qui n'ont pas forcément... qui ont envie de faire ce genre de camp optimisé, mais qui ont un peu peur de perdre l'aggro de leur camp de jungle. Parce que surtout, c'est ça aussi le problème, c'est que si tu niques l'aggro de ton mob, et donc tu niques ton camp de jungle, ton clear de jungle, potentiellement ça a des conséquences désastreuses sur la partie, alors que te prendre un coup de tour ou un peu plus dans un trade de lane, c'est pas un truc qui va notamment te faire perdre la game, quoi. Ça peut genre avoir un impact négatif sur ta lane, clairement. Il peut y avoir des situations où c'est la différence entre la vie et la mort, ou un trade kill ou non, mais c'est pas non plus, comment dire, ça arrive pas très souvent, et même quand c'est le cas, c'est souvent évitable, on va dire. Alors que là, c'est vraiment littéralement... Genre, tu peux éviter cette situation, alors que lorsque tu veux faire un clear de jungle, bah tu vas tout le temps faire un clear de jungle, tu peux pas esquiver cette situation où tu vas essayer d'optimiser ton camp, ta vitesse de clear, quoi. Donc le fait de matérialiser les distances maximales, ça me pose pas trop de problèmes. Le fait que tu réduis la distance à laquelle tu peux attirer les camps, ça me fait un peu peur. Parce que j'ai l'impression qu'on enlève vachement plus de profondeur au jeu, alors que le fait de donner de l'information aux gens, j'ai pas trop de problèmes à ça. Mais de toute façon, on va en parler plus tard. Chemin de jungle recommandé. Nous allons aussi rendre la jungle plus accessible en conseillant des itinéraires dans la jungle pour tous les champions. Ces premiers chemins d'exploration sont déterminés en recueillant les données des junglers expérimentés sur champions à maîtrise élevée dans le monde entier. Les conseils de passage dépendront des chemins les plus souvent empruntés par les joueurs qui remportent la partie et ils seront mis à jour chaque patch. Ok. J'ai un peu de réserves sur ces chemins de jungle, à peu près comme j'ai des réserves comme en ce qui concerne les pics d'items recommandés dans la boutique. Parce que généralement, il faut prendre énormément de paramètres en compte pour obtenir des choix pertinents. Genre, un chemin de jungle dans une game de League of Legends, c'est un truc qui dépend d'énormément de facteurs. Ça dépend de ton champion, ça dépend des champions en face, que ce soit les junglers ou les laners, tes laners aussi à toi. Ça dépend de qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 premières minutes. Est-ce qu'il y a de la vision qui a été prise du côté des ennemis ou des alliés? Est-ce que tu as la capacité ou l'envie de counter jungle? Et si tu as cette capacité-là, du coup, qu'est-ce que tu veux faire en premier? Est-ce que tu veux en priorité sécuriser le carapateur? Tu veux sécuriser ton buff en diagonale, histoire d'empêcher un champion adverse d'obtenir un certain buff? Genre le blue buff d'un champion genre Karthus, par exemple. Ou le red buff d'un champion avec moult auto-attaque, genre Trundle ou Ekarim par exemple.
Et est-ce que tu veux skip des camps pour pouvoir gank plus tôt? Et ça, c'est ce genre d'informations que tu peux avoir uniquement au bout d'un certain moment dans la game. Genre, quand tu vois que genre, le top laner se fait push et que t'as la capacité, t'as un timing de gank si tu skip le gron par exemple, ou si tu skip un camp plus tôt dans la jungle en disant je vais essayer de le gank parce que je sais qu'il va naturellement avoir moins le push. Genre, c'est le genre de données que tu dois prendre en compte lorsque tu fais ta jungle, et c'est vrai que ça me paraît un peu dur de prendre aussi peu de paramètres en compte pour avoir des camps, des passes de jungle efficaces. Alors, je comprends que c'est certainement un truc, les chemins de jungle recommandés, je comprends que c'est souvent un truc qui va être là pour s'adresser à des champions, enfin des joueurs qui sont vachement moins haut niveau et donc qui ont moins besoin de se poser ce genre de questions. Mais c'est vrai que le seuil à partir duquel ces chemins de jungle commencent à perdre leur intérêt est assez bas, on va dire. Ça peut aider les gens à se mettre à la jungle, notamment de la même manière qu'on aide les gens à se mettre à la jungle pour au niveau des matérialisations des distances maximales auxquelles on peut attirer les camps, mais. Donc c'est des changements, que ce soit l'indicateur de portée des camps, les chemins de jungle recommandés et même les petits monsieur, les petits Pokémon. C'est certainement des changements dont on avait entendu parler de Riot, notamment dans leur volonté de rendre la jungle plus accessible aux nouveaux joueurs. Parce que je pense que c'est ça vraiment le vrai débat et c'est pas forcément des changements dirigés au niveau pro forcément. Parce que ben ça. Je pense que justement, la réduction des distances, ça c'est le genre de truc qui peut changer au niveau qui peut impacter le pro play. Mais le reste, c'est clairement des trucs qui sont plutôt pensés pour des nouveaux joueurs qui veulent se mettre à la jungle mais qui peuvent pas parce qu'ils ont l'impression. Ils sont un peu impressionnés par la quantité d'informations et de connaissances que tu dois avoir en tant que jungler pour pouvoir réussir à faire la jungle efficacement. Et ça c'est souvent un rôle qui a un seuil de compétence requis qui est vachement haut par rapport à la responsabilité que tu as dans la game. C'est le genre de truc que. Genre, tu dois savoir beaucoup de choses, et si tu te foires une ou deux fois, on va te flame toute la game. Et c'est pour ça que je considère que c'est le genre de rôle. Qui doit bénéficier d'une mise à jour pour pouvoir être plus accessible, et que c'est pas du tout le combat de la scène compétitive. Donc voilà, tous les débats Twitter que j'ai vus sur les gens qui pensent qu'on retire de la profondeur, je suis pas sûr que ce soit tellement le cas à ce niveau-là, en tout cas pour l'instant. Genre ça, genre le fait d'avoir la portée de Lich des camps, bon, c'est pas le genre de changement qui va forcément rendre la jungle moins, comment dire, moins skillée en général. C'est surtout que ça va permettre d'avoir une meilleure porte d'entrée, quoi. Et je pense que c'est mieux. Je pense que la scène compétitive bénéficiera vachement mieux du fait d'avoir vachement plus de junglers en général que du fait d'avoir une jungle légèrement plus élitiste, on va dire. Bref. Ensuite, on a la roue de communication, du coup, les outils de communication en général. Donc, la roue de communication mise à jour, donc. Par essence, League of Legends est un jeu en équipe, oui, pour faciliter la communication entre les équipes, nous allons doubler le nombre de signaux accessibles, et 8 signaux sur la roue selon maintenant. Alors, les signaux accessibles, donc les signaux classiques, donc ceux qui sont toujours là, donc le sens horaire, ok, donc c'est-à-dire en partant du haut du coup, c'est repli, j'arrive, aidez-moi, ennemi disparu. Donc repli forcément l'icône rouge avec voilà, celle qu'on connaît, j'arrive, on la connaît, j'ai besoin d'aide, on la connaît, et ennemi disparu, on la connaît, le fameux SS. Ça pour l'instant on est ok. Les nouveaux signaux, donc dans le sens horaire, ce sera avancé, donc avancé qui sera donc push, je suppose, c'est ça, push. Donc c'est l'icône avec les sbires qui crève parce que c'est pour dire que tu dois push ta lane, donc taper les sbires ennemis pour faire avancer ta wave. À l'attaque qui est genre venez on leur pète la gueule, donc let's go Zug avec donc les épées. Tenez bon qui est c'est vraiment dégueulasse comme traduction, mais défendez basiquement, donc avec le bouclier, donc restez en position. Et attirez-le, ou en tout cas bait, du coup, qui est donc l'hameçon, en gros. Donc, qui serait certainement là pour créer un catch, quoi, basiquement. Je pense que c'est des pings qui sont très très intéressants. Et je pense que c'est cool d'avoir augmenté le nombre de pings. C'est un truc dont on a besoin énormément. Et c'est vrai que, par exemple, le ping push, c'est un genre de truc. C'est le genre de signal que t'aimerais bien donner à un mec, mais. Surtout à bas niveau, mais que c'est un peu chiant à traduire en fait en termes de ping. Je pense que attaquer, par exemple, attaquer, c'est pas forcément un ping dont on avait besoin parce que tu pouvais cibler des champions tu peux mettre des j'arrive pour dire fonce, 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 on y va. Par contre, le ping tenait bon, pour le coup, ça c'est un truc qui est très intéressant. Généralement, tu pouvais ping défensivement que genre des tourelles et pas forcément autre chose. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre de ping là.
et le Bates, pour le coup. Le Bates, c'est très intéressant. Voilà. Les deux pings à gauche sont très très intéressants parce que c'est le genre de ping que tu pouvais pas donner, le genre d'information que tu pouvais pas transmettre efficacement avec les pings actuels. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Et généralement, même si tu pouvais, comment dire, même si tu pouvais potentiellement donner des équivalents, genre faire un ping simple, genre juste le ping principal dans un bush pour dire viens, on bait un truc. C'était, il y avait quand même une traduction de l'information qui devait être effectuée de la part du joueur qui recevait le ping pour se dire ok, il a ping ce bush là, ça veut dire qu'il veut qu'on reste dans ce bush là et qu'on bait un mec, tu vois, c'est genre un truc. Et dépendamment de la game, c'est potentiellement un truc qui, une information qui peut être perdue dans la traduction. Donc avoir ce genre de ping, ça peut potentiellement rendre la communication vachement plus simple et vachement plus rapide, donc c'est vachement cool. Nouveaux signaux de vision. Alors nous allons également ajouter une nouvelle roue de signaux de centrée sur la vision. Avec cette roue, vous pourrez indiquer ce qui suit. Donc là, on l'a du coup, c'est celle-ci. Donc de gauche à droite, on a vision dégagée. Donc on a clear la vision. Très bien. Donc le petit, les petites paillettes. On a la vision ennemie du coup. Là, le ping est déjà toujours là du coup. Le fameux ping avec un œil. Et besoin de vision qui est s'il te plaît, pose une ward. Et ok. Ça c'est pour le coup c'est deux pings qui sont intéressants parce que c'est pas le genre d'information que tu peux donner très rapidement aux gens. Genre dire pose une ward là, c'est pas le genre d'information que tu peux donner. Genre t'es obligé de ping un endroit et d'après ensuite mettre dans le chat ping ward here please, ce qui est un peu long. Alors que là du coup on réduit très rapidement, très facilement la capacité des, comment dire, la vitesse, justement on augmente énormément la vitesse de l'information. Pareil pour la vision clear. Alors la vision clear, c'est le genre de ping qui c'est plus selon moi pour comment dire, c'est pas forcément un ping qui est là pour donner une information très rapidement et qui a besoin d'avoir qui a besoin d'être donné très rapidement, mais surtout je pense une information qui est là pour déjà qu'il n'y a pas énormément d'équivalent. Tu peux pas dire la vision est clear à un endroit, donc c'est cool. C'est un des pings qu'il fallait rajouter le plus, et surtout je pense que ça peut même servir genre dans des cas de figure où tu t'es un support et que t'as pas envie de te faire flame, tu vois. Genre pour dire non mais t'inquiète, j'ai clair la vision ici, hein. Genre je suis pas en train de faire du chômage technique là, t'inquiète pas. Non mais c'est aussi et surtout un truc genre pour dire, je pense que c'est un ping qui peut être précédé, qui peut précéder un autre ping. Genre par exemple, le ping clear de vision juste avant le ping on fait le Drake quoi. Ou le ping clear de vision juste avant on tente le bait quoi. Bref. Nouveaux signaux de vision, on a vu. Et ensuite, les votes d'objectifs. Alors ça, c'est fou. Ça, c'est incroyable. Il est parfois difficile d'impliquer votre équipe dans la prise d'un objectif et on se perd rapidement si tout le monde signale j'arrive ou repli selon s'ils veulent ou non attaquer. Nous introduisons une nouvelle fonction de vote qui apparaîtra lorsque les objectifs seront signalés, qui fonctionnera de la même manière qu'un vote de reddition. Et maintenant, tous les joueurs peuvent voter et indiquer s'ils veulent ou non prendre ou contester cet objectif. Je trouve ça extrêmement cool. Alors, le seul problème que j'aurais avec éventuellement la mise en place de cet objectif-là et de ce... De ce vote là, c'est dans des cas de figure où on n'a pas le, comment dire, là on n'a pas énormément d'informations sur qui vote quoi. Et genre imaginons par exemple que on est genre à 8-9 minutes de jeu, que la wave est push en bot lane et que je mets le vote on fait le dragon infernal. Bah si j'ai deux votes non et que les deux votes non c'est genre le mid laner et le top laner, bah j'en ai rien à foutre, tu vois, parce que c'est le drake et que j'ai juste besoin de la bot lane pour faire le drake, tu vois. Mais si je vois deux votes non, bah je suis en mode, ah peut-être que c'est la botlane qui a dit non, on se barre, tu vois. Alors qu'en réalité non, tu vois. On aurait besoin de savoir qui dit oui et qui dit non pour être sûr qu'on puisse faire le drake ou pas. Je sais que dans les combats d'objectifs, à partir de la 20-25ème, 30ème minute, on a besoin de l'accord de toute l'équipe pour faire le drake. Par contre, l'early game, où justement tu veux impliquer que certains champions, certains joueurs, t'aurais besoin d'avoir le nom des champions et qui vote quoi en fait. Contrairement au vote de reddition où t'as pas forcément besoin de savoir qui veut voter oui ou qui veut voter non. Ensuite, il y a aussi un truc, c'est le vote du Drake Infernal. Alors le take et give, c'est intéressant. Je pense qu'il devrait y avoir une troisième option qui est genre garder la position. Parce que par exemple, je pense que y a des moments où tu veux pas prendre le Drake tout de suite, tu veux pas genre le commencer, mais tu veux pas non plus le laisser. Tu veux juste genre garder la position et bait potentiellement un teamfight en face, et donc c'est potentiellement une troisième option, genre garder la position du Drake par exemple, qui devrait être privilégiée aussi en troisième option. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire.
Après, je me doute bien que dans un vote aussi rapide comme ça, t'as peut-être pas forcément envie d'avoir trop d'options, mais je pense qu'avoir 3 options au lieu de 2, c'est pas non plus horrible, on va dire. Signaux hors écran. Le dernier changement de communication pour vous est une petite amélioration de confort qui vous indiquera de quelle direction venait un signal hors écran en s'affichant sur le bord de votre écran. Ces signaux ennemis disparus s'afficheront sur votre écran où qu'ils soient affichés sur la carte. N'en est que repli, j'arrive et des mois tenez bon à l'attaque et avancer ne sont affichés que s'ils ne sont envoyés à 3000 unités ou moins. Ok. Repli, j'arrive et des mois. Ok, très bien. Environ d'un angle à l'autre de votre écran tant que vous êtes entièrement dézoomé ou 20 immo au bord de votre écran. Ok, très bien. Alors, le seul problème que j'ai, ce serait éventuellement qu'on peut se faire spam par un mec qui spam SS de absolument toute la map. Mais en dehors de ça, aucun problème. Je pense que c'est très cool d'avoir ce signal-là, le signal ennemi disparu sur toute la map, si tu considères pas le fait qu'il y ait des trolls. Parce que c'est vrai que ça m'arrive énormément des moments où genre je ping ennemi disparu et genre les mecs s'en foutent. Genre les mecs regardent pas ou ils entendent pas. Et je pense que c'est pas le genre de changement qui vont vraiment réduire le... Comment dire... Tous les changements des pings, là, de ce que je viens de voir, sont des changements qui sont bénéfiques pour le jeu et qui sont pas forcément négatifs pour le haut niveau parce qu'on n'est pas en train de retirer du skill aux gens. Sinon que on est en train de, comment dire, rendre le jeu plus accessible et plus facile à communiquer, ce qui est cool. Genre, si t'es un bas niveau... Ça te fait plaisir d'avoir ce changement-là, parce que ça te permet de, basiquement, plus facilement prendre en compte les informations que te donnent tes alliés. Donc ça peut, basiquement, favoriser le travail d'équipe au-delà de la compétence individuelle, de, genre, savoir reconnaître les pings et, genre, les repérer et s'en rappeler. Ce qui est un peu meilleur, parce que, par exemple, si un mec sait pas se rendre compte des ennemis disparus et des pings que tu lui donnes, il va te pénaliser, toi, alors que toi, t'as fait le bon choix t'as fait basiquement la bonne manœuvre, la bonne manip, en basiquement lui donnant l'information. Donc tu devrais pas être puni pour ça, quoi. Donc à bas niveau, je pense que c'est un bon changement. Et à haut niveau, les gens sont de toute façon censés savoir regarder leur minimap, donc c'est pas comme si on enlevait du skill à ces gens-là. Ensuite, mise à jour du système de vision. Ah, suivi des balises alliées. Alors, il existe actuellement des façons de voir combien de balises vous avez disposées. Ok. Mais pas de vérifier rapidement quelles balises sont les plus proches, à moins de regarder manuellement chaque balise posée. What? Nous allons introduire de nouveaux visuels de balises sur la mini-carte pour indiquer qu'elles approchent de leur expiration. Elles changeront d'apparence lorsqu'il reste 60 et 30 secondes avant l'expiration d'une valise. Ok. Très bien. Ça, pour le coup, c'est intéressant. Premier de balise ennemie. Il est parfois difficile de suivre toutes les balises placées sur la carte et encore plus de communiquer cette information à vos équipiers. Si vous signalez une balise ennemie que vous avez vue posée dans les 10 dernières secondes, un chronomètre de balise parfaitement exact apparaîtra jusqu'à la suppression ou l'expiration de cette balise. Ok. Comment dire? En fait, je vois pas mal de réactions négatives qui ont été données à cette explication-là, parce que c'est vrai que j'ai vu des tweets de réactions avant de voir ces changements-là. Je vois un peu comment est-ce que les gens peuvent dire que ça enlève un peu du skill des gens de savoir reconnaître, de savoir mémoriser le nombre, le temps que dure une balise ennemie. Après, je considère que c'est le genre de ping qui est un ping en réaction, basiquement. C'est-à-dire que tu peux pas... C'est pas un ping à base de je sais combien de temps durent toutes les balises ennemies une fois qu'elles sont posées. À partir du moment où je les vois posées, il faut quand même les ping, je crois, c'est ça? Il faut les ping. Donc il faut se rappeler de dire, voilà, c'est wardé, ici, à cet endroit-là. Donc c'est basiquement le ping wardé, basiquement. Ou ping normalement. Donc... C'est déjà une manipulation physique que tu dois faire, qui n'est pas fait suffisamment d'ailleurs actuellement, même en pro-play. Donc, enfin, je sais pas, même en pro-play, je sais pas en réalité pour le pro-play, donc je vais pas forcément parler, mais en tout cas, même à haut niveau, on va dire, pas forcément un truc qui est si souvent fait, on va dire. Genre, je sais pas si vous avez souvent vu le ping Enemy as Vision, quoi. Mais bref. Le fait d'ajouter cette mécanique-là, c'est plutôt intéressant. Notamment, bah... pour pouvoir permettre de track un peu plus efficacement les balises ennemies que vous avez vues. Et surtout, ça sanctionne en priorité les gens qui posent leurs balises de manière mauvaise, on va dire. C'est-à-dire, s'ils littéralement posent les balises en ayant, comment dire, avec les ennemis qui ont la vision dessus, quoi. Donc, au bout d'un moment, à ce niveau-là, c'est pas forcément... C'est un truc que tu peux éviter si tu es l'adversaire. Parce que si tu poses ta valise sans qu'elle soit vue par l'équipe ennemie et qu'elle a pas le temps de la ping, elle aura pas le cooldown dessus. Donc ça reste une mesure qui a du counterplay et c'est pas forcément le genre de mesure où t'es en mode « Oh merde, le mec connaisse forcément toutes mes wards et tout » donc c'est pas forcément un truc qui enlève du skill aux gens.
Au contraire, ça va plutôt punir les gens qui posent mal leur balise. Ce qui, je pense, c'est un truc qui est puni de toute façon déjà maintenant, parce que si tu poses mal une balise et que le mec le déwarde automatiquement, enfin c'est à peu près la même chose quoi. Là c'est juste, j'ai pas de déwarder, donc ça permet de punir potentiellement un mauvais placement de balise, même dans des cas où, où tu peux pas forcément péter la ward. Donc ça me pose pas trop de problèmes ce changement là, honnêtement. Je pense que c'est plutôt bénéfique pour le jeu en général, pareil pour le suivi des balises alliées pour le coup, c'est vachement cool. Conseil de compétences et d'équipement de champion, alors... Page de runes et sans invocateur conseillé. Nous sommes également ravis d'introduire des sections de page de runes et sans invocateur facultatif sur la sélection des champions. Une fois votre champion est verrouillé, vous verrez un bouton de runes recommandé à gauche du bouton modifier page de runes. En ouvrant cette interface, vous afficherez jusqu'à 3 configurations recommandées de runes et de sans invocateur que vous pourrez choisir pour les utiliser en jeu. C'était ma courte finalisation, mais nous vous en reparlerons plus. Ah, nous vous en reparlerons plus tard pendant la précédente. Ok. Pareil que pour les sans invocateur, enfin que pour les items, c'est le genre de truc qu'il faut qu'ils soient bien branlés, c'est-à-dire il faut qu'ils prennent en compte le maximum de paramètres possibles pour faire les meilleurs choix, et pas seulement dire les pros prennent ça, donc c'est bien. C'est selon moi le takeaway principal que j'ai de ce genre de mesure, qui est que vraiment il faut prendre le plus en compte le plus en plus de paramètres possibles pour pouvoir les rendre plus utiles. Compétences conseillées à peu près pareil, nous allons également aider les joueurs en les conseillant sur les compétences à faire progresser, cela leur indiquera les compétences généralement améliorées à chaque niveau, et comme ci-dessous, nous mettrons ces conseils à jour une fois par patch en fonction de ce qui est optimal en ce moment. Pareil, je pense que l'augmentation des compétences est souvent pris en fonction de la lane que tu joues et du rôle que tu joues, donc il faut aussi prendre en compte les compétences améliorées à chaque niveau en fonction de ton adversaire. Je pense que c'est aussi ce qu'il faut, prendre en compte, plus que juste c'est ce que les gens font souvent en ce moment, donc vas-y fais-le. Après, honnêtement, c'est pas mal de fonctionnalités qui étaient déjà présentes dans des sites tiers, donc il faut juste le mettre dans le jeu actuellement. Moi, je suis pas forcément contre tant que c'est des fonctions qui sont meilleures, qui sont mieux implémentées dans le jeu que dans les sites tiers. À partir du moment où c'est le cas, les gens n'auront pas forcément, plus forcément le besoin de partir sur ces sites tiers-là, donc c'est cool. Changement en voie du haut. Nous allons également apporter quelques ajustements pour aider les joueurs en voie du haut à progresser plus vite et obtenir des paliers d'objets de niveau plus vite par rapport aux voies du bas et du milieu. Alors, ouais, ok. C'est pas le problème de Planar, c'était pas forcément ça, mais ok. Les changements sont évidents. Les expériences en voie solo. Les voies solo recevront un multiplicateur d'XP. Ok, donc pas forcément que les voies du haut. De 95% contre 93% auparavant sur les sbires. Donc c'est-à-dire qu'ils gagneront plus d'XP, mais... S'ils gagnent quand même moins d'XP que d'habitude. Ok. Sur les sbires. Expérience en voie duo. Les voies duo recevront un multiplicateur d'XP de 22% contre 24% auparavant sur les sbires. Potentiellement un buff de Nila. Faudra faire gaffe potentiellement du coup. Vu qu'on gagne moins d'expérience. Bref. D'accord. Et ensuite, changement au PO en voie du milieu. Tous les sbires qui apparaîtront dans la voie du milieu vendront un PO de moins avant 14 minutes lorsque vous leur infligez le coup de grâce. Auparavant, le seul sbire canonier valait moins d'or, mais il valait 10 PO de moins. Ok. Bon. Ils ont déjà de toute façon fait des changements pour niquer la voie du milieu, donc j'ai pas forcément trop de problèmes, trop de changements à dire, si ce n'est que je suis assez déçu en général par le fait de niquer un peu une lane particulière par rapport aux autres, mais ok. Est-ce que les canonniers valent juste un PO de moins du coup maintenant? Dans ce cas là ça veut dire que on est moins sur on est sur une mid lane qui va certainement être plus homogène on va dire en termes d'augmentation, enfin de régénération d'économie on va dire, de génération d'économie. Parce qu'avant c'était genre justement genre les sbires canonniers étaient les principaux problèmes en tout cas en ce qui concerne le manque de PO. Là maintenant, c'est vrai que c'est réparti sur toutes les lanes. Donc, du coup, je sais pas, j'ai du mal à dire si ça favorise les gens qui lastitent tous les sbires ou pas. Enfin, ceux qui lastitent tous les sbires, de toute façon, ça va être à peu près pareil. Quoique, ça va... Non. Non, c'est pas vrai en plus. Non, théoriquement, ils gagnent plus d'argent. Parce que maintenant, du coup, en fait, ils perdent 7 PO sur les vagues canons, alors qu'avant, ils en perdaient... Ah non, merde, non, parce que du coup, ça compte que les sbires canons. Ah oui, non, ils perdent plus d'argent, du coup, en effet. Parce que ça compte pas, ça, il faut que je compte aussi les waves non canon. Ouais. Du coup, ça pose énormément de problèmes. Ouais. On va voir au niveau de l'économie comment ça va fonctionner, mais j'ai peur de ce qui va se passer au niveau des PO. Parce que. Le problème, c'est que. Ça va énormément avantager les top laners qui arriveront à last hit des sbires de manière équivalente aux mid laners.
Ce qui arrive dans plus, vachement plus de games qu'on ne le pense. Hein. Et ça va aussi potentiellement buff pas mal de champions mid lane. Ils vont certainement aller en top lane à ce niveau-là parce qu'ils auront plus pourront avoir plus d'argent en allant en mid lane, enfin en top lane, tout en ayant des matchups qui sont potentiellement meilleurs. Donc il y a potentiellement un énorme exode qui va se passer au niveau de la voie du haut et de la voie du mid. Et je pense même, j'irais même jusqu'à dire que si ce changement a suffisamment d'impact, on pourrait même avoir un swap total de champions entre les top laners et les mid laners. C'est-à-dire que la raison pour laquelle les mid laners sont mid lane, c'est parce que c'est une lane où les ressources sont accessibles de manière assez rapide, que ce soit l'XP ou les gold. Et la top lane, justement, vu que les gens ont tendance à avoir moins de gold en général, c'est pas forcément parce que ils sont en top lane, mais parce qu'ils ont des champions qui fonctionnent avec une moins bonne économie. Enfin, ils fonctionnent mieux avec une économie basse. Du coup, si littéralement l'économie devient meilleure en top qu'en mid, ben en fait on va avoir vachement plus de mid laner low économie et vachement plus de top laner high économie. Ce qui fait qu'on va potentiellement avoir plus de mages control slash hyper carry qui seront en top lane. Et ça posera potentiellement plein de problèmes pour l'équilibrage plus tard. Je sais pas si ça va être un changement qui va être bénéfique ou pas. Mais en tout cas, il y aura potentiellement une énorme recrudescence de range top en voie du haut parce que c'est les champions qui ont la capacité d'obtenir du farm de manière vachement plus fiable et vachement plus efficace sur la voie du haut par rapport au melee, en gros. Donc faudra faire gaffe avec tout ça. Et j'ai un peu peur pour la voie du haut en fait, à cause des changements qui ont été faits en voie du milieu. Pour le reste, ça me pose pas trop de problème. Nouveaux objets et objets mis à jour. Nous introduisons 12 objets nouveaux aux mises à jour pour cette pré-saison. Remarquez que les statistiques et effets des mêmes noms que des objets sont susceptibles de changer pendant le PE. Ok. Donc, Endurance d'Ikatia. Donc, objet mythique. Ok. 400 PV, 300 armure, 300 distance magique, 20 accélération de compétences. Résilience de Néantin. Pour chaque seconde en combat avec un champion, vous gagnez une charge qui confère 3 d'armure et de résistance magique avec un maximum de 10. Au nombre maximal des charges, vous êtes renforcé, ce qui absorbe immédiatement 4% de vos PV max sur les ennemis autour de vous. Quoi ? Attends, quoi? J'ai pas compris. Attends. Est-ce que je fais des dégâts autour de moi en fonction de mes PV max? Est-ce que je gagne des PV jusqu'à la fin du combat en fonction de ce qu'il y a autour de moi? Je comprends pas le absorb. Attendez. Parce que forcément, on va devoir regarder les... on va devoir regarder la version anglaise parce que sinon, on va pas y arriver. Alors, ok. Donc, at max stack, become empowered, instantly draining. Ok, c'est ça, c'est draining. Ok, d'accord, merci. Ouais, c'est juste une mauvaise traduction. Donc, oui, ok. Donc, tu es littéralement en train de drainer 4% de TPV max sur les ennemis autour de vous. Ok. Donc, tu infliges des dégâts de TPV max sur les ennemis autour de toi. Donc, plus t'as d'HP et plus cette onde de choc va faire des dégâts. Et ça va doubler tes résistances conférées par les charges jusqu'à la fin du combat. Ok. Alors, c'est un truc qui ressemble pas mal à Force de la Nature, Force of Nature, du coup. Qui était basiquement l'item qui donne de la résistance magique et des HP. Donc ça, on a déjà vu, mais c'est juste que c'est fait en mode mythique. C'est-à-dire que maintenant, ça donne de la résistance magique et de l'armure. Et ça buff un petit peu la puissance de type, enfin le renforcement une fois que tu l'obtiens. Et par contre ça confère à tous les autres objets légendaires 5 armures et résistance magique, ok. Donc je suppose que c'est plus un item qui est censé être un item tank, je crois, plus qu'un item de support, parce que les supports n'ont pas tendance à rester très longtemps en combat, notamment les supports engage qui ont tendance à surtout genre avoir besoin de résistance très très vite, une fois qu'ils ont engage. Donc c'est pas forcément c'est plus un item de tank, on verra un petit peu comment ça va fonctionner à ce niveau-là. Il faudra voir si les dégâts que tu obtiennes et le buff de résistance sont meilleurs que... peuvent potentiellement avoir une meilleure valeur dans des situations que le burn en général de Sunfire et Aegis. Il faudra voir à ce niveau-là. Mais sinon, ouais, ok, ça me paraît être un item tank plutôt intéressant en général. Vertu radieuse. Alors 400 HP, 300 armure, 300 magic, 20... Ok, donc c'est basiquement un copie-coller d'un autre objet mythique tank, quoi. En lançant votre ultime, vous vous transcendez, ce qui augmente vos PV max de 10% pendant 9 secondes, ok. Lorsque vous êtes transcendé, vos alliés à moins de 1200 unités et apportez et vous-même gagnez 25 accélérations de compétences hors ultime, ok. Vos alliés vous soignez également de 1,5% de vos PV max tous les 3 secondes, augmentez jusqu'à 100% en fonction des PV manquants de ce champion, ok. Les soins sont doublés pour vous-même, ok. Mais c'est pour combien de temps? 9 secondes, c'est ça, toujours? Ok.
Pour être passif unique, on fait à tous les objets sans PV. Ok. Donc ça, c'est pour le coup, ça c'est un vrai mythique support pour le coup. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui peut être pris par des supports, parce que les supports engage ont souvent tendance à utiliser leur ulti très très tôt dans le teamfight. Et du coup, ça va les rendre vachement plus tanky, et ça va également buff les alliés, donc c'est vachement cool. Ça, pour le coup, ça m'a l'air d'être un ulti, d'être un mythique support vachement intéressant, qui pourrait potentiellement remplacer Event Shroud, du coup. Qui, pour l'instant, est assez nul. Donc pourquoi quoi, pourquoi pas. Contre les givrants, alors ça pour le coup on le connaît hein, celui-là. 400 PV, 40 d'armure et 20 d'accélération de compétences. Ok, donc c'est l'ancien Gantlet les givrants. Sauf qu'on a déjà un Gantlet les givrants maintenant, ce qui est un peu bizarre du coup. Du coup on a le Frostfire Gantlet, mais on a toujours celui-là. Enfin ça n'a aucun sens. Attends, comment il est appelé? Attendez, comment il est appelé? Je vais regarder. Tac. Fuck. Items. Comment est-ce qu'il est appelé actuellement le mythique? Et basiquement le Frostfire. Le gantelet cryopyrique, ok. Bon, c'est basiquement le gantelet givrant, quoi. Mais bref. Donc c'est un objet mythique, toujours. Mais qui donne 400 HP et que de l'armure, cette fois-ci. Ok. C'est bizarre, ça. C'est bizarre de donner que de l'armure. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ok, intéressant. Est-ce qu'ils l'ont changé? Ou est-ce que c'est un nouveau objet? Ça a l'air d'être un objet mis à jour, donc ça va être un nouveau objet. Lame enchantée. Après l'utilisation d'une compétence, votre prochaine attaque inflige 100% de vos dégâts de zone physique de base et crée un champ de givre de 2,5 secondes. Ok, oui, ça c'est, okay, c'est 100% le gantelet actuel. Votre cible principale est ralentie du double de ce montant. Ok. Et voit les dégâts qu'elle vous inflige réduits de 10% pendant... Ok, très bien. Et confère à tous les objets 50 PV, 5% de testé et 5% de résistance au ralentissement. Ok, donc là ils ont l'air de vouloir partir sur un item mythique qui donne que de l'armure. Ce qui est jamais fait pour l'instant. À chaque fois les objets mythiques vont donner de l'armure et de la résistance magique, donc ça me fait un peu bizarre d'avoir un mythique comme ça, parce que les mythiques sont censés être généraux à peu près, on va dire, et qui sont censés être être pris un peu plus. Alors je sais que dans la philosophie de Riot, c'est les légendaires sont pris tout le temps, mais les mythiques changent en fonction du matchup, même si je pense que ça devrait être l'inverse. Et du coup, ce serait surtout un gantelet que tu prends en fonction de l'adversaire, forcément, parce que tu peux pas prendre un gantelet givrant quand t'as que des mecs avec des dégâts magiques en face. Mais le problème, c'est que du coup, il y a deux prismes différents. C'est-à-dire que, on va dire que quand tu voudras prendre cet item, il faudra qu'il y ait deux planètes qui s'alignent. C'est-à-dire la planète de toi, c'est-à-dire, est-ce que ton champion peut utiliser le gantelet givrant de manière utile ? Et la planète de ta cible, et donc des champions ennemis, est-ce qu'ils font les dégâts magiques? Parce que du coup, est-ce qu'ils font des dégâts magiques ou des dégâts physiques? S'ils font des dégâts physiques et que t'es un champion qui peut l'utiliser, là tu rentres dans le slot dans lequel tu peux prendre cet item. Mais si t'es que dans l'un ou l'autre, l'item va être vachement, vachement, vachement moins fort. Ce qui fait que du coup, pour un mythique, ça va être vachement plus spécifique, et je viens de faire une beat sans faire exprès, je suis désolé. Mais en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que forcément, il va y avoir un problème potentiellement si le mythique est pas assez général. Il va potentiellement être pris dans des endroits plus niches, on va dire. Domination du Goliath, 800 HP. Ok, donc c'est Warmog, ok. 200% de la chance, ok. Réaction de base de PV et 20 d'accélération de base. Ok, très bien. Donc c'est Warmog en mythique. En étant à moins de 600 unités de distance d'un champion, vous chargez une puissante attaque contre lui en 3 secondes. L'attaque chargée draine la cible, lui inflige 50 plus 10% de vos PV max sous forme de dégâts physiques supplémentaires et vous soigne de la même quantité. Ok. Ça devrait être des dégâts adaptatifs, mais bref. Vous gagnez de manière permanente des PV max égaux à 15% du drain. What? Ah! Donc les PV max seront perdus si l'objet est vendu. What the fuck? Donc on a une pointe de l'immortel là. Ok. Ok. Après je me doute bien que les circonstances pour pouvoir utiliser cette attaque de 3 secondes c'est quand même pas mal. Ok. Donc c'est un item pour stack les PV jusqu'à l'infini en gros. Donc certainement que c'est un item qui va être pris et qui va littéralement être succédé instantanément soit de cœur gelé soit de lithoplaceron. Potentiellement. Ou alors Warmog pour avoir encore plus d'HP. Surtout que ton but c'est d'avoir c'est en pourcentage des PV max, c'est ça. Donc plus t'as des PV max, plus t'as des PV max, plus tu gagnes des PV max. Donc ouais.
Il y a potentiellement un monde où tu pars sur un champion qui a déjà énormément de résistance de base, genre Hecarim avec son Z, potentiellement. Un personnage qui gagne périodiquement énormément de résistance, notamment genre, je sais pas, genre les âmes de Thresh, par exemple, je sais pas. Ou un champion qui gagne déjà des PV mag, genre Sion. Genre ça, par exemple, ça va 100% être un objet Sion. Et tu peux faire un build à base de Goliath, Warmog, Anathema. Et là, t'es un monstre de PV, quoi. Et du coup, ça va buff énormément les champions qui ont des résistances mis dans leur kit. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils suppriment Warmog à cause de ça, du coup? Ça, il faudrait voir, du coup. Parce que s'ils suppriment pas Warmog, ça fait quand même deux items qui peuvent te donner la somme de 1600 PV max. Ce qui est basiquement l'équivalent de 4 items mythiques, quoi. Donc, faudra voir un peu comment ça s'équilibre, ça. Bâton séculaire, il est de retour, let's go! Oh, excuse-moi, désolé, il fallait que je le dise parce que putain de merde, il nous a manqué cet item, bordel de merde. 60 de puissance, 300 d'APV, 300 de mana, donc il donne de la mana, de HP et de la puissance, ce que un mythique ne donne pas. Si, Everfrost et Crown en donnent. Mais du coup, ouais. Ah, c'est un objet mythique par contre, c'est pas un objet légendaire. Ok, intéressant. Ce objet gagne 20 PV, 20 de mana et 4 puissance toutes les minutes, jusqu'à 10 fois pour un maximum de 200 PV, 200 mana et 40 de puissance, en tenant le nombre maximal de chances, vous gagnez un niveau. Ah! Ok. Ça, je m'attendais pas du tout. Ok. La limite du niveau reste à 18. Ok. Donc, c'est un champion qui est. Ok. C'est un item qui est là. Ok. Ça fait un peu bizarre. Hein. En fait, ce qui me fait peur dans cet objet mythique, c'est que ça donne pas de propriété mythique passive innée de type. Comment dire, effet particulier. Ce qui fait que ça peut être un mythique qui est extrêmement. Comment expliquer, hein. Ça peut être un mythique qui va pas forcément être pris parce qu'il est pas, il a pas, ah, il a pas un aussi bon feeling que les autres, quoi. C'est-à-dire que tu sens bien que t'as vachement plus envie de prendre genre un truc genre Everfrost qui va donner un super slow de zone qui peut route, ou une protobelle qui te fait dash par rapport à un séculaire qui te fait juste gagner des stats, quoi. Même les items tanks, ils ont des trucs stylés, tu vois. Il y a peut-être moyen que peut-être on nerf un peu ça. Et qu'on te donne une propriété passive unique, même nul à chier. Genre, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas en AP qu'on aimerait qu'il y ait en AD, hein. Je sais pas, peut-être un brillance, peut-être une sac de. Ouais, ça, peut-être une sorte de brillance. Genre, une sorte de fléau de liche, mais mythique. Un truc comme ça, par exemple. Ça pourrait être cool. Histoire de rendre le truc un peu plus flavorful, on va dire. Mais en dehors de ça, ça m'a l'air vachement intéressant. On a vraiment l'impression dans l'ordre du Zen que c'est un item légendaire qui s'est transformé en mythique pour le coup. Ça va faire un peu peur. Le fait de gagner un niveau, ça peut potentiellement améliorer vachement ton mid-game. Alors, le problème c'est que ça va surtout améliorer énormément, je pense, les... Ça peut potentiellement être un item qui peut être pris en support et en jungle. Des rôles où tu ne gagnes pas énormément de niveau très vite, qui fait que tu peux globalement avoir un scaling vachement plus intéressant, parce que par exemple au niveau de la mid lane, c'est l'avantage au niveau que tu vas gagner, il va pas rester très longtemps parce que t'atteins très rapidement le niveau 18 en mid lane par rapport aux autres rôles. Alors que si t'es en jungle ou en support, vu que t'obtiens pas énormément de niveau, l'avantage au niveau que tu vas gagner va être présent plus longtemps, on va dire. Et ça peut être la différence entre un niveau 16 et un niveau 15 dans un 4ème drake, donc ça peut énormément faire la diff, quoi. Et par contre ces 5 d'accélération de compétences, pourquoi pas, ça pour le coup c'est intéressant, parce que ça en donne pas du tout. Donc pas mal. Catalyseur de l'éternité. C'est quoi déjà ça? Je me rappelle plus. Fuck, je me rappelle plus. Si, c'est le récipient item, c'est le item intermédiaire. Vous récupérez les mana équivalent à 15% des dégâts que vous infligez des champions et des PV. Ok, ça on l'avait vu. Ça c'est littéralement le. Ok, c'est littéralement le retour de l'ancien item. Pour les gens qui se posent la question, le bâton séculaire c'était un item qui était déjà présent avant le rework des items et qui a été supprimé avec le rework des items. Et du coup, ils l'ont remis en objet mythique, ce qui est plutôt cool. Le gantelet givrant, d'ailleurs, est vachement plus proche sous sa forme actuelle maintenant là que ce qui était avant le rework des items. Enfin non, justement, il est sous une forme là comme il est présenté, qui est vachement plus proche de ce qu'il était avant le rework des items que ce qu'il est devenu. Masque abyssal. Alors, le masque abyssal, il est déjà là encore, je crois, hein, c'est ça. 500 PV, 300 de mana, 40 de résistance magique, 10 accélération de compétences. Ok, donc ça donne du PV, du mana, la résistance magique et l'accélération de compétences. Je crois que c'est toujours le cas avant, ou alors que maintenant ça donne plus de mana, je crois. Je vais regarder. Mais ça donne plus de mana, enfin ça donnait pas de mana, c'est ça. Maintenant ça donne du mana. Intéressant.
Vous récupérez du mana équivalent à 15% des dégâts que vous infligez les champions. Et les PV égaux à 20% du mana dépensé. Ok, donc ça c'est le passif de le catalyseur. Ok. Anéantissement, vous maudissez les champions ennemis proches. Ok. Ce qui réduit leur résistance magique de 5 plus 1,5% de vos PV bonus, max 25. Donc ça va faire 30. Ok. Pour chaque ennemi maudit, vous gagnez 9% de plus 9 de résistance magique. Ok. Une sorte de gore drinker, mais négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de régénérer toi en faisant des dégâts, tu niques la résistance des ennemis. Et toi, tu gagnes de la résistance. C'est vachement cool. C'est vachement cool. Et j'espère que c'est... Du coup, oui, c'est ça. C'est une capacité active pour un item... Attends, quoi ? C'est un item actif qui n'est pas un mythique ? Non, c'est un mythique. J'ai oublié de dire mythique. Non, ok. Ah oui, ok. C'est pas un mythique, Ok, ok. Ça, c'est bizarre, ça, par contre. Ok, c'est vraiment bizarre pour le coup. Parce que, en fait, justement, une des philosophies qui avait pris Riot pour les rewards des items, c'est vraiment, il n'y a plus d'items actifs qui n'est pas un mythique. Ou alors, si c'est des items actifs, c'est des petits. Ah non, j'ai rien dit, en fait. Non, il y a les rédemptions et Mikael. Mais des items pour les tanks, par exemple, il n'y en avait quasiment pas, par exemple. C'est que pour les supports. Donc, c'est particulier. C'est particulier. Ok. Mais en même temps, je suppose que c'est un item qui va être pris pour les supports, hein, généralement, je pense. Et du coup, sa priorité va à la malédiction la plus puissante. Ok, intéressant. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que du coup, ils ne disent pas pendant combien de temps. Faudra voir un peu à ce niveau-là. Mais ouais. En tout cas, ça a l'air d'être un item vachement plus intéressant que ce qu'on a actuellement avec le masque abyssal, donc pourquoi pas. Égis solaire n'est plus un objet mythique. Ah. Ok. C'est comme ça qu'ils équilibrent le truc. Ok. Donc 400 PV, 50 d'armure. Donc apparemment, la résistance magique pouvait se faire foutre. Immolation, ouais, ok. Un sujet des dégâts, vous pouvez infliger des points de dégâts contre, par vos ennemis proches. 25% contre les sbires et les 150% contre les monstres de jungle pendant 3 secondes, ok. Blesser un champion ou un monstre de la jungle épique avec cet effet ajoute une charge. Ah, excuse-moi, ok, très bien. Donc, je peux stack ça contre les monstres de la jungle maintenant. Je comprends pas pourquoi ils font ces changements-là, pour être honnête. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font ce changement-là sur l'équipe sur les Gisodaire. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un item qui était vachement trop fort par rapport à. Aux autres mythiques, mais on pouvait potentiellement le nerf en vrai, je pense. Je trouve ça un peu bizarre. Sauf que maintenant on a deux items mythiques qui donnent de l'armure, donc les champions les champions avec qui tapent en AD vont être vachement plus comment dire fonctionnés, on va dire. Et Dominique va encore gagner la valeur, on va dire. C'est vrai, c'est règle d'appareil. Ok. Bon après, en fait le problème ce que j'ai c'est que le passif de l'égide solaire, ça c'est... En fait, ça se rapproche vachement plus de la cape solaire, qui était donc l'item qui existait avant le rework des items. Mais c'est vrai que il faut que cet actif soit intéressant par rapport aux autres passifs des items AD armure, parce que qui donnent de l'armure, des items tank armure dans le jeu, il y a énormément de concurrence, quoi. Donc faudra voir si cette immolation légitimise l'élite solaire, quoi. Parce que l'avantage de l'élite solaire par rapport aux autres champions, enfin aux autres items, avant le rework des items, c'était que tu pouvais le prendre en premier item, donc parce qu'il n'y avait pas de mythique. Et du coup, t'obtenais un clear de wave qui était intéressant, même quand c'était un tank, qui fait que tu pouvais contrôler la wave plus efficacement. Par contre, si c'est... Si maintenant il y a des items mythiques, j'ai du mal à voir la place de cet item. Tu pourras pas le build en premier, quoi. En tout cas, si tu le build en premier, tu vas potentiellement skip un mythique. Donc il faut que les mythiques soient vraiment pas forts pour que ce soit intéressant. Chimico, scaphandre turbo qui n'est plus un objet mythique, du coup, ok. Donc maintenant, on donne de la résistance magique au lieu de tout, ok. Donc là, on redonne de la résistance magique, c'est cool. Et du coup, ok. Donc on a une philosophie complètement différente par rapport à avant, parce que du coup, on a encore un actif qui arrive pour un objet non mythique. Et qui est basiquement l'équivalent de la... Comment ça s'appelle? Ah merde! J'ai l'icône maintenant, mais comment ça s'appelle? La gloire du jus? Autre chose. Non, merde. Je sais plus. Bref, il y avait un item qui était à peu près pareil qui faisait la même chose avant le rework des items, donc ok. Et donc tu gagnes la vie de déplacement et après, pour un champion, tu mets nombre de choc. Ok, très bien.
Encore une fois, c'est un passif qui peut être que tu peux vouloir sur pas mal de champions, mais qui va être dépendant de si t'as besoin de résistance magique ou pas. Donc à peu près le même problème qu'on avait donné avec, plutôt avec le contrôle givrant. Rendu 1, pareil, ralentit brièvement les ennemis proches de, 5, des ennemis proches de 55% pendant 2 secondes, ok. Mais par contre, ça nique plus les crits, ok. Les dégâts que vous infligez, les dégâts attaquants sont réduits de 5, plus des P max, ok, très bien, au maximum. Limité à 40% des dégâts d'attaque, et par contre, les critiques vous infligez 20% des dégâts en moins, ok. Donc, c'est pas un truc qui est utilisable par un support, mais maintenant, c'est plus un truc qui va être utilisable pour un tank. Parce que c'est pas un nerf de coup critique que tu vas donner à tout le monde, si ce n'est un truc que tu vas te donner que à toi. C'est vachement plus proche, encore une fois, de ce qui se passe avant le reward des items. Pour rendu 1. J'avais tendance à préférer l'ancien rendu, enfin le nouveau rendu justement, à l'ancien. Donc ça me fait pas très plaisir ce genre de truc, mais au moins ça donne pas mal de résistance, donc faudra voir. Lance de Shojin. Oh bordel de merde, ils ont refait la lance de Shojin. Oh c'est la merde, c'est la giga merde. Alors, force du dragon, vos sorts non ultimes gagnent 6 plus 10% de dégâts d'attaque bonus pour les champions mêlés, ok. Ok, donc ça donne des dégâts d'attaque. Non, pas du tout. Ça donne de l'accélération de compétences en fonction de tes dégâts d'attaque bonus. Ok. Parce que ça donne de la PV et l'accélération de compétences, ok. Réduit pour les champions à distance. Attends. Réduite, machin, pour les sorts d'immobilisation. Ok. Donc les sorts d'immobilisation ont moins d'accélération de compétences que les sorts normaux. Ok. Donc ça va potentiellement plus améliorer les Darius que les Renekton, on va dire, par exemple. Ça va plus améliorer les... on va dire quoi? Les Garen que les Riven ou les Aatrox, par exemple. Intéressant. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a potentiellement énormément de sorts de mobilité qui vont gagner énormément de capacités. Et ça n'a plus aucun rapport avec le fait d'attaper les gens. Donc tu peux potentiellement avoir des Fiora, par exemple. Fiora va adorer cet item. Oh mon dieu, Fiora va adorer cet item. Vous gagnez jusqu'à 15% pour les champions mêlés et 10% pour les champions à distance, visez des déplacements supplémentaires en fonction de vos PV manquants. Ok. Fiora va adorer cet item. Oh les duellistes. Oh les duellistes, ils vont manger Gucci. Oh bordel de merde. Ah j'ai très peur. J'ai très peur, j'ai très très peur. Faudra voir. Mais ouais. Il y a un potentiel d'explosion de la méta avec cet item qui est assez fort, on va dire. Comme l'ancienne Shojin finalement. Mais ça n'a rien à voir avec l'ancienne Shojin pour le coup. Hydrovoras, alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Omnivampiris, accélération de compétences, dégâts d'attaque, c'est tout, ok. Les attaques et compétences infligent, machin, dégâts physiques aux autres ennemis à moins de 350 unités, oui, donc c'est la même chose. Carnivore, vous gagnez 0,5 dégâts d'attaque et 0,1% d'Omnivampiris lorsque vous tuez un ennemi avec un cumul maximum de 25 dégâts d'attaque et de 5% d'Omnivampiris. Donc vous pouvez garder 50% de charges en mourant. Ok, d'accord, donc c'est un Medjay maintenant. Ne peut toucher chaque cible qu'une seule fois par attaque ou compétence toutes les 10 secondes. Ok. De la merde. Ah oui, non, ok, d'accord. En fait, c'est juste... En fait, c'est juste... Hydrovoras. Donc, c'est juste... Son passif, ça juste marche une fois sur les gens. Il va être procable, je pense, très facilement en une seule fois. Par contre, ça va pas pouvoir être proc en plusieurs fois. Alors je suppose que c'est fait en particulier pour empêcher l'exploitation de cet item. Ça potentiellement permettre de bump un peu ses chiffres. Ça me pose pas trop de problèmes. Ce qui me fait juste chier, c'est le fait qu'on va limiter un petit peu le côté justement flavorful, le côté comment dire... Ah, comment est-ce qu'on appelle ça? Jouissif. Ça va un peu moins, ça va un peu plus réduire le côté jouissif de l'item en genre en mode je tape un mec, du coup ça tape plein de mecs et du coup je fais un sort sur plein de mecs et ça tape plein de mecs en zone. Genre ça pourrait faire ce genre de truc dans le sens où genre tu tapes plusieurs personnes en même temps, bon ça va se faire une seule fois et puis derrière en fait lol tu fais des ongles de choc mais ça touche rien quoi. Je sais pas s'ils vont pas changer du coup l'effet visuel en ce niveau là. Mais ouais, du coup, ça veut dire que ça peut te permettre du coup de faire de bump potentiellement les dégâts de l'hydrovoras du coup. Mais c'est une sorte de luden qui se déclenche tout le temps quoi. Faut faire gaffe avec ce genre de truc. Surtout que du coup, s'il y a un délai de récupération de 10 secondes par cible, ça peut être changé par l'item haste. Donc Ingenious Hunter potentiellement peut gagner énormément de valeur. Je sais pas si Carnivore va être si fort que ça. Je pense que c'est un truc qui va être là en mode c'est un passif...
c'est un passif, comment dire, secondaire, et pas forcément la raison pour laquelle tu builds l'item, contrairement genre le Magi par exemple. Et je pense que c'est comme ça qu'ils vont le, ils vont équilibrer l'item. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, ouais, bizarre, bizarre comme changement sur les Drevoras. Après, je comprends que l'item était dans une impasse à partir du moment où tu t'avais en fait cassé la limite de comment est-ce que tu activais l'onde de choc en le mettant sur littéralement tous les sorts de, du monde. C'est que du coup, t'étais obligé de mettre des dégâts nuls sur le truc parce que sinon, les mecs pouvaient juste choisir des trucs de fou qui faisaient des dégâts en fonction, qui faisaient des dégâts toutes les secondes et derrière, t'appliquais la, la zone toutes les secondes et derrière, ça, sur plusieurs cibles, ça, ça faisait des dégâts de fou. Là maintenant, ils se disent, ok, on va changer le design de l'objet. Je pense que ça aurait été mieux pour le coup de revenir à ce qui faisait l'objet avant, c'est-à-dire le fait de, d'infliger des dégâts en zone de fou sur les auto-attaques uniquement et pas sur les spells. Et par contre, de garder le fait que tu puisses toucher une cible plusieurs fois. Mais bon, on verra un peu la direction qu'il décide de prendre vers l'Hydroras. Ok, donc c'est des changements sur les items assez bizarres, hein, pour le coup. C'est des changements sur les items assez bizarres, parce qu'il y a énormément de nouveaux trucs qui sont ajoutés, mais aussi énormément de, d'objets qui reviennent d'avant les reworks des items. Je pense que c'est intéressant pour pas mal d'items, notamment le, le bâton séculaire. Je pense que le bâton séculaire, il est potentiellement la... La lance de Shojin pourront être assez intéressants à regarder. Hydroras, j'ai hâte de voir ce que, comment est-ce que ça va évoluer. Renduin pareil, même si ça fait un peu bizarre. Le fait qu'on ait deux items mythiques qui perdent un peu leur... non, pas ça. Le gantelet givrant et le... Non, pas justement le gantelet givrant, c'est le... L'égide solaire et le Kimiko Scaphandre Turbo qui perdent leur valeur mythique. Il faudra voir un petit peu quel impact ça va avoir sur les mythiques des tanks. Le problème que j'ai actuellement, c'est que on n'a pas de mythique qui donne que de la résistance magique. On a un mythique qui donne armure et essence magique. On a un item qui donne armure et essence magique, mais qui est plus support. On a un item qui donne armure. Un item qui donne ni armure ni résistance magique, mais on n'a pas d'item qui donne que de la résistance magique et qui est un mythique. Donc il faudrait faire gaffe avec ça. J'espère qu'ils vont nous ajouter ça avant le rework. Parce que en fait, le problème, c'est que les items résistance magique sont déjà mal... Ils ont déjà vachement plus comment dire, sont vachement moins forts, vachement moins nombreux et vachement moins efficaces par rapport aux items anti-armor, enfin non justement aux items armor. Et j'ai peur que ces changements là ne font qu'accentuer cette différence, quoi, on va dire. Mais sinon voilà, c'est la fin un petit peu de cette vidéo parce que ça fait quand même beaucoup, encore une minute, enfin je pensais pas qu'on allait passer autant de temps dans les changements de pré-saison parce que j'avais pas vu qu'il y avait autant d'items et qu'il y avait autant de choses à dire. Pour résumer, je suis plutôt content du changement sur le dragon technochimique, même si j'ai peur pour l'âme, enfin pour justement pour les bonus passifs. Pour l'amélioration de la jungle, j'ai aucun truc à dire. Je pense que tous les changements sont vachement bons en réalité. Le timing des balises ennemies, c'est un truc que tu peux esquiver, donc ça me pose pas tellement de problèmes. Ça te verra juste déplacer le skill que tu demandes de le skill de l'adversaire, de savoir quelle est ta combien de temps ta ward va être présente et plus vers toi, réussir à poser mieux ta ward pour pas que les mecs sachent où elle est. Donc ça me pose pas trop de problèmes. Les pages de runes et compétences, conseillers et sorts d'invocateurs, encore une fois, il faut pas mal de paramètres à prendre en compte pour que ce soit vraiment efficace. Mais ça peut potentiellement rendre le jeu vachement plus vachement plus facile à utiliser pour les nouveaux joueurs et les joueurs de bas niveau, donc c'est plutôt intéressant dans ce cas-là. Les changements en voie du haut, j'ai très peur pour comment est-ce que ça va impacter la lane et le jeu en général, notamment en ce qui concerne les changements de PO en voie du milieu. Parce que là, on est potentiellement sur 6 plus 6 plus 7, donc lol. Dédicace à Free Scorleon, mais du coup, on est à 19 gold. En toutes les 3 waves en moins, et ça fait un peu mal, ça fait un peu mal quand même, parce que vu toutes les waves que t'obtiens, les golds vont commencer à se stack et ça va faire une grosse différence, je pense, au bout d'un moment. Après, c'est avant 14 minutes, donc tu peux certainement calculer le nombre de PO que tu vas lose si tu perds, si tout les sbires, mais j'ai peur, j'ai vraiment très peur en ce qui concerne la mid lane, et j'ai peur que si les changements soient suffisamment gros, il y a un énorme exode qui va se passer. Et au niveau des objets, bon, Endurance d'Ikatia, je l'aime beaucoup.
Vertu radieuse, je l'aime beaucoup. Gantelet givrant, je l'aime un peu moins. Goliath, j'aime beaucoup. Séculaire, j'aime beaucoup. Masque abyssal, j'aime beaucoup. Égide solaire, j'aime un peu moins. Chimico scaphandre, j'aime un peu moins. Randuin, j'aime un peu moins. Shojin, j'ai peur. Hydrovoras, je sais pas trop, on verra. Voilà. Donc bon, c'est un peu la fin de cette vidéo du coup. J'ai passé très longtemps à parler, donc je vais me reposer un petit peu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, notamment les vidéos qui parlent de compétitif ou sur les patchs qui vont arriver, notamment du coup quand ces modifications vont arriver sur le serveur live, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la notification donc, en appuyant sur la cloche. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine !